Alors, je voudrais remercier d'abord Tajudine à la présentation. Moi, par rapport à son analyse intrinsèque un peu de la start-up et de la création d'entreprise, je prendrais la partie extrinsèque, pardon, celle de l'environnement et de l'écosystème. Il est évident que un projet d'entrepreneuriat sans un marché assez clair et assez cerné, un besoin assez cerné qui permettra la création de valeur, a besoin aussi d'un écosystème assez favorable pour aller à l'action. Et je suis tout à fait d'accord, l'idée elle-même ne suffit pas. Il faut concrétiser, la concrétisation dépend d'un écosystème assez développé, assez favorable. Hein. Développé ou pas, il faudrait qu'il soit favorable à ce type d'entreprise. Donc, ma présentation s'orienter vers une définition assez soft de la start-up, mais je pense qu'on en connaît tous et toutes, et comment la développer, dans quel écosystème, pardon, de quoi il est composé, comment l'améliorer. Et puis, je prendrai un exemple qu'on connaît tous et que je connais par rapport à d'autres écosystèmes, celui de la Lairie. Nous reviendrons sur l'expérience Rallier en étant secrétaire général de ce cluster qui fait un énorme travail pour l'amélioration de l'écosystème entrepreneurial. J'ai choisi pour commencer la définition de la startup de Eric Ries, puisqu'on est dans la logique du lean, c'est-à-dire fabriquer quelque chose. Le marché n'en a pas besoin. N'est pas trop porteur, que ce soit pour les start-upers ou pour l'économie en général. Eric Ries définit la start-up comme étant une institution humaine pensée pour créer un nouveau produit ou service dans des conditions d'incertitude extrême, mais aussi d'expérimentation assez développée. Alors, de cette définition, on en déduit que la start-up en réalité n'est pas du tout liée à son âge, de son existence, de son temps d'existence, de sa taille, parce qu'elle peut commencer petite et grandir rapidement, ni dans ce secteur d'activité. Karim et tous les personnes présentes ici, vous le savez bien qu'on était vraiment sur une problématique et une réflexion assez active sur la définition de la start-up elle-même. Hein. Tu étais même partie prenante de ce travail intellectuel et qu'on cherchait vraiment à la définir. Bon, par contre, elle est liée à la personne elle-même, à son projet, à son intuition, pardon, à l'intelligence et son état d'esprit comme des éléments indispensables à la création, mais aussi à la continuité et la persévérance. Voilà. Donc, ce qui est communément connu, c'est que c'est une entreprise à fort potentiel de croissance. Elle présente une nouvelle technologie ou un nouveau modèle d'affaires et qu'elle a besoin d'un financement parfois massif. Et elle est sur un marché où le risque est vraiment difficile et parfois inévaluable. Voilà. Donc, après, pour ce type de start-up assez créatrice de richesse, on se pose la question. Quel est finalement l'écosystème le plus adéquat et quel serait le plus. Donc, il y a deux questions par rapport à l'écosystème. Comment peut-on agir? Est-ce qu'on cherche vraiment à développer un écosystème ou plutôt l'améliorer? Et comment peut-on directement sur. Comment peut-il agir directement sur la start-up mais sans l'environnement? Voilà. Alors. Le terme écosystème entrepreneurial a été défini comme un independent set of factors that is in such a way that enables entrepreneurial de tout ce qui est en action totale et qui permet à l'entreprise ou à la start-up de s'améliorer et être gouvernée et donc améliorée. Il y a deux niveaux à lancer. Et à discuter bien sûr de l'écosystème entrepreneurial, enfin de l'écosystème entrepreneurial d'une façon générale, l'écosystème des startups en particulier. Si on parle d'écosystème entrepreneurial, il est un petit peu plus macro-économique de sa vie. Il concerne l'État, il concerne le marché, le capital humain qui existe dans un État ou dans une entité. Il concerne les systèmes de finances, il concerne la culture entrepreneuriale à part entière qui est dominante sur la sphère, mais aussi il concerne tous les éléments de support et d'accompagnement
à l'entrepreneuriat. Par contre, la start-up, c'est un petit peu particulier sur des composantes un peu plus, je dirais, plus limitées, plus techniques, hein. On parle là de corporate, ce sont des grandes entreprises qui font partie aussi de l'écosystème start-up, de l'organisme public ou privé, hein, d'ONG qui sont là pour former et apporter leur soutien en termes de recherche, mais aussi en termes d'accompagnement parfois, les fonds d'investissement, les accélérateurs, incubateurs, et j'en passe. Voilà. Là, vraiment, on s'est posé la question d'une façon générale, on se la pose au quotidien dans notre réseau, et on se dit finalement, pourquoi un écosystème, hein? Avant d'aller je dirais, des éléments plus pertinents, enfin plus détaillés. Il faudrait se poser la question, pourquoi un écosystème? Est-ce qu'on est là pour favoriser la création des startups, une évolution en termes de nombre, ou plutôt est-ce que on développe un écosystème qui permettra de voir la prochaine startup licorne créée? Et c'est ça qui nous emmène un petit peu de faire un état des lieux par rapport à ce qu'il y a en termes d'écosystème entrepreneurial en général, et en particulier pardon, en Algérie. Nous avons posant qu'on a pu cerner et mettre en évidence. Il s'agira des corporates, des entreprises traditionnelles, grandes entreprises, des écoles et des universités, les incubateurs, le nombre d'accélérateurs qu'on a, les fonds d'investissement qui existent, les ONG aussi qui jouent un rôle extraordinaire dans la dynamique de l'écosystème, mais aussi les organismes d'appui qui sont là pour accompagner et je dirais, booster un peu la création de startups, mais aussi la pertinence et l'activité assez enrichissante des startups. Bon, on le fait toujours et au quotidien, on remet en cause à chaque fois et on met à expérience ces composantes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais en termes de rôle de catalyseur de l'esprit startup, catalyseur de l'esprit entrepreneurial, mais là, comme a dit Tajidine, je suis totalement d'accord avec lui, il faudrait penser maintenant à une nouvelle étape de création réelle de start-up et qu'on commence à, que ces entités-là commencent à générer de l'argent et booster l'économie. C'est dans cette logique que rallier réseau algérien, des acteurs, des incubateurs et des acteurs de l'innovation a été créé et qui touche un peu à toutes ces activités-là qu'on essaie avec nos partenaires, avec nos adhérents, de se focaliser, de se positionner comme étant un acteur de l'écosystème à part entière et qui touche un peu à tous ces éléments à travers des programmes, à travers des activités que nous sommes en train de mettre en place et de gérer aussi en même temps, qui permettra l'amélioration de l'écosystème entrepreneurial et start-up en particulier. Nous sommes aussi une force de proposition à travers nos activités que nous menons, le Rallye After Week, qui est une série de webinaires et qui touche à des problématiques dont nous observons dans l'écosystème ou qui sont soulevées par les institutions, en l'occurrence le ministère des Startups et de la connaissance, l'économie de la connaissance, pardon, qui est avec lequel on est en relation quotidienne, enfin, étroite et en échange très, très, très actif. Rallier la philosophie aussi a été pensée de façon à ce que faire participer la diaspora à la réflexion, c'est aussi, c'est-à-dire, c'est aussi gagner du temps en termes de benchmark et aussi de best practices. La diaspora a été introduite d'une façon très active du réseau. D'ailleurs, on les remercie vivement. Et cela a été aussi traduit par un très, très beau projet, Diaspower, qui est une plateforme qui désigne un peu l'existence de la diaspora algérienne un peu dans le monde, dans les 5 continents, et qui les propose et les classe par leur activité, leur domaine d'excellence, etc., et facilite ainsi aux demandes de conseils et d'accompagnement
d'avoir ces contacts rapidement. Oui, c'est aussi une activité de benchmark et de best practices. On est en échange pratiquement quotidien avec nos Algériens qui excellent dans des écosystèmes assez favorables. Je parle de Londres, on a nos amis à Londres, à Dubaï, etc. Et c'est des gens qui sont à la tête de fonds d'investissement là-bas, des VCs et des créateurs de startups assez développés. Nous travaillons aussi avec la relation PME-startup. Tajuddin l'a bien précisé, sans marché, on ne peut rien faire. Et puis la PME peut aussi être un marché assez important pour les startups. Et cette relation win-win PME-startup sur laquelle on est en train de travailler avec l'Agence nationale de la promotion de la PME nous permettra de trouver des mécanismes de relations et d'échanges entre porteurs de projets et PME, dont les startups seront dans la sphère de la réflexion autour des solutions à la PME et on sera vraiment dans une relation win-win. C'est aussi une relation assez étroite avec l'université et la recherche, non seulement, c'est-à-dire la recherche et l'université dans la relation ou dans son rôle, je dirais, transversal. C'est les résultats de la recherche pour la promotion de la start-up en termes d'invention et d'innovation. Les programmes universitaires dédiés à l'entrepreneuriat dont on a eu le temps et le privilège à chaque fois de les remettre en cause, Kerim m'en est témoin, remettre en cause un peu la façon dont l'université algérienne jusqu'à présent est en train d'enseigner l'entrepreneuriat et qu'il faudrait maintenant revoir un peu les méthodologies, la méthodologie pardon, d'enseignement. Nous sommes aussi dans le Youth Empowerment, le programme Algerian Startup Challenge qui a été supporté et porté par Allier est aussi un programme national qui a permis l'aboutissement de plusieurs projets de start-up à un niveau assez satisfaisant, voire parfois brillant. On a vu des start-up émerger qui sont très pertinentes, qui sont vraiment dans cette logique de marché, de création de richesses et de valeurs. Et aussi, parmi nos axes de réflexion et de travail sur lesquels on est en train de développer avec nos partenaires, le Women Empowerment, on a vu d'un business angel pour femmes et aussi un espace d'incubation et d'accompagnement des femmes in tech. Je reviendrai aussi à la recherche. C'est aussi, on a aussi un projet qui est en train de se développer et voir le jour avec un regroupement de femmes, jeunes femmes algériennes dans la recherche scientifique à WIS. Et qu'ils ont créé un petit regroupement, enfin grand à mon sens, un regroupement de femmes algériennes qui se trouvent à l'étranger. Elles sont aux États-Unis, au Japon, au Singapour, etc. C'est un programme qui a été initié par une Algérienne qui se trouve dans l'université de médecine ou de biologie à Harvard, une jeune Algérienne. Cette initiative de créer ce regroupement de femmes chercheurs et scientifiques pour un peu inspirer le cours des femmes et des chercheuses potentielles. Voilà. Et bon, je fais rapidement un peu le point sur nos activités et pour expliquer un peu notre position sur la sphère et je dirais l'environnement des startups en Algérie. À toi la parole.